Les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qui envoie de la patate. Donc on se retrouve sur du Black Ops 3. Donc pour tout simplement la meilleure classe de Black Ops 3. Donc pour cette meilleure classe entre guillemets, je vous ai prévu deux classes. Donc c'est un petit peu bizarre le titre. Enfin voilà, bref, je vais pas mettre les meilleures classes. C'est tout simplement une classe quand vous allez commencer le jeu, que ce soit dans 2 mois. Ou tout simplement là peut-être sur Xbox One ou sur PC. C'est vraiment la classe que je vous conseille au tout début pour jouer, parce que voilà, c'est quand même quelque chose de très important. Et après je vous donnerai mon avis, en tout cas étant donné que j'ai pas pu tester sur les armes, sur cette bêta, quelle est pour moi la meilleure arme du jeu, avec mes petits conseils d'atout. En sachant que voilà, c'est vrai que sur ce Black Ops 3 y a pas de classe vraiment suprême, ultime, un petit peu comme sur Black Ops 2, où à la fin de Black Ops 2 on avait tous les mêmes classes, tous les mêmes armes, ou un petit peu même comme sur Advanced Warfare. Il y a pas mal d'atouts, il y a pas mal de combinaisons qui peuvent être intéressantes aussi en fonction de si vous allez jouer en solo ou tout seul. Donc vraiment voilà, la classe que je vous conseille pour commencer, enfin l'arme tout du moins, c'est la Man of War. Pour moi c'est l'arme la plus polyvalente du jeu, elle a à peu près tout. Donc c'est un fusil d'assaut, en sachant que les fusils d'assaut sont vraiment, on va dire, la catégorie d'arme la plus performante, la plus polyvalente sur le jeu. Donc vraiment voilà, c'est ce genre d'arme que je vous conseille. Et pour commencer c'est la Man of War. Il y a la RK7 qui est pas mal du tout, mais je pense que la Man of War est un peu plus complète. Après c'est vrai que la RK7 elle sera peut-être plus performante sur des petites maps, mais à ce moment là je vous conseillerais peut-être plus une mitraillette. Mais bon voilà, on va parler de la Man of War. Donc les atouts que je vous conseille sont le tir rapide et la poignée ergo. Après j'ai rajouté en accessoire supplémentaire la crosse, que je trouve pas du tout forcément très très efficace. Après c'est vrai que c'est une classe que j'utilise vraiment pour rusher dans le spawn ennemi. Donc on va dire la crosse peut être quand même utilisée et assez utile à certains moments, même si voilà, elle est pas aussi efficace que sur un Black Ops 2 où la crosse c'était quelque chose, un accessoire indispensable je trouvais sur Black Ops 2. Elle est pas forcément indispensable étant donné aussi qu'on tombe très vite. Donc c'est souvent on va dire le premier qui voit, enfin le premier qui tire qui tue. Donc c'est pour ça vraiment que la poignée ergo va être super utile. C'est peut-être pas du hardcore, mais c'est vrai qu'en hardcore la poignée ergo était très très utilisée. Et c'est pour ça que quand il y a un jeu avec très peu de vie, ce genre de poignée est très efficace. Le tir rapide, étant donné que cette arme est super stable, je la comparerai peut-être pas à la CR mais presque, le tir rapide va lui permettre d'avoir un petit peu plus de pêche. Donc voilà, ça va être un petit peu, vous allez être un petit peu plus efficace au corps à corps, en sachant que sa cadence de tir, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est pas son point fort. Donc voilà, un petit plus 2 en cadence de tir, c'est pas de refus. Alors ce qui concerne les atouts, c'est justement là qu'il va y avoir le plus, on va dire, vous allez devoir choisir vous en fonction de votre style de jeu, parce qu'il y a énormément de possibilités. Par exemple, 6ème sens, si vous êtes en solo, je vous le conseille, étant donné que ça va vous permettre à vraiment courte portée pouvoir détecter les ennemis. Après, si vous êtes en groupe, que vous jouez avec des drones brouilleurs, ce genre de choses, c'est vraiment pas un accessoire forcément efficace, on va dire, c'est pas forcément quelque chose qui est primordial. Et à ce moment là moi je vous conseillerais peut-être plus un gilet pare-balles, parce que c'est vrai que les grenades les grenades, on va dire frag, ou tout ce qui est voilà, grenade frag, grenade simtex, ce genre de choses est assez chiant sur le jeu, et moi ça me fait péter un cap quand je me fais tuer. Donc voilà, je vous conseille donc soit 6ème chance, soit gilet pare-balles. Par moment ce que je fais c'est que on va dire je mets, enfin non, même très souvent je mets donc 6ème sens allié à gilet pare-balles. Donc voilà à peu près ma classe que j'utilise pour la Man of War. Vous pouvez rajouter un viseur laser, en sachant que je trouve que le viseur de base est plutôt correct. Sur ce jeu j'ai pas repéré, on va dire, de viseur dégueulasse. Il y a toujours sur les Call of Duty des armes avec des armes, enfin des armes qui sont plutôt pas mal, mais où le viseur est complètement dégueulasse. Et je trouve pas forcément que la Man of War a besoin d'un viseur laser. Après vous serez toujours plus précis avec un viseur laser que le viseur de base, peu importe l'arme. Mais voilà, je trouve que le viseur est correct. Après comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de vous. Donc à ce moment là vous ôtez un des deuxièmes atouts, et donc vous mettez tout simplement un viseur laser. Donc après main leste, forcément moi j'utilise pas de grenade, mais main leste vous permet de viser plus rapidement aussi quand vous courez. Encore une fois, la logique du fait que le premier qui tire tue, donc plus vite tu rentreras dans ton viseur, plus vite tu pourras tuer. Donc voilà, et ensuite impulsion furtive, encore une fois, même si c'est pas du Advanced Warfare, on utilise très souvent le jetpack, donc ça nous permet de sauter. Donc ensuite, quand vous allez prendre un certain niveau, pour moi vraiment la meilleure classe, la meilleure arme de ce Black Ops 3, c'est cette arme là, c'est la M8A7. Pourquoi? Parce que elle est, je dirais pas qu'elle est abusée, franchement j'ai pas envie de dire ça étant donné qu'on n'a pas testé toutes les armes, mais elle est vraiment vraiment très très polyvalente, très très puissante. Pour moi je pense que c'est l'arme la plus puissante du jeu. En une ou deux rafales les mecs ils tombent direct. Alors en plus avec un tir rapide mon pote, c'est
c'est du feu, hein. On fire le bordel. Donc ce que je vous conseille, c'est le chargeur grande capacité, étant donné que c'est une arme à rafale, vous avez tendance à cracher un peu plus qu'une arme au coup par, qu'une arme automatique. C'est mon avis, donc je mets un chargeur grande cap, parce que sinon je tue 5 mecs, j'ai plus de munitions. Enfin, je caricature un peu le truc, mais vous m'avez compris. La poignée ergo, je respecte pas pourquoi, logique de rentrer plus vite dans le viseur. Enfin, même si je l'ai respecté, c'est pas grave. Et le tir rapide que vous débloquez à la toute fin, en sachant que les levels d'armes sont super lourds à monter. Je trouve il faut peut-être une dizaine, voire une quinzaine de parties. Et encore, je vois peut-être une quinzaine de parties pour monter niveau max. Donc voilà, il y a de quoi faire. Les niveaux sont super longs à monter, je trouve personnellement. Donc c'est quand même plutôt une très très bonne chose. Moi, personnellement, ça me fait plaisir quand les niveaux sont longs. Ça rajoute entre guillemets un petit peu de durée de vie. Donc après on sait pas exactement combien il y aura de niveaux. Je pense qu'il y en aura 55, on verra écoutez au moment de la sortie du jeu. Après encore une fois les atouts c'est les mêmes. Mais après étant donné que c'est une M8, c'est une arme à rafale, donc c'est vrai qu'il faut avoir un shoot radical. Je vous conseille pour le coup par contre de mettre un viseur laser, même si encore une fois pour moi le viseur de base est plutôt on va dire assez performant. Et après de mettre 6ème sens ou gilet pare-balles en fonction de si vous pétez un câble avec les grenades. Voilà à peu près les classes que je vous conseille. Donc en fond je pense pas qu'il y aura de gameplay ou alors ce que je ferais c'est que je le mettrais en haut à droite. Je vais vous mettre je pense ma série fail nucléaire à 28 avec la M1. Voilà c'est ça que je vais faire. Je vais incruster donc en gros ce que j'étais en train de vous expliquer en haut à droite. Et je vous mettrai un petit gameplay de fond quand même au cas où si vous voulez juste écouter ma voix et regarder un gameplay. Bref écoutez les gars c'était Tonio. En ce moment je suis super actif, vous me récompensez avec des pouces verts. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si ce petit tutoriel va t'aider ou t'a aidé, j'en sais rien. Écoute c'était Tonio, moi je te fais un gros bisou sur les deux tétons. Oublie pas encore une fois le pouce vert et allez pisse les gars. Je sais pas. Tac, nucléaire. Oui, j'ai. Deuxième partie de la journée, mon pote.